sous un conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique depuis 5 avril qui s'est passé là, côté que un commando ou bien une équipe policière qui est entrée dans l'ambassade mexicaine dans Quito, dans la capitale pays Équateur, pour être prêt, et ancien vice-président Jorge Glass, ancien vice-président équatorien Jorge Glass. Donc, dans le moment où on a parlé de la session a fait dans OEA et tout à l'heure, l'homme qui a gardé et ambassadeur permanent, ou bien représentant permanent pays Équateur qui a essayé d'expliquer pour qui ça que, ça fait comme ça que, il a pris une décision pour y aller prendre ancien président équatorien dans l'ambassade pays Mexique, si on a parlé de Mauricio Montalvo, lui-même qui a fait déclaration dans OEA. Et lui expliquer que. Et il fait référence à plusieurs conventions, notamment de Caracas, de Montevideo, pour te parler de yon point, t'as fait yon point, côté que dit que yon ambassade pa gen droit bay yon moun asile, si t'as pas refuge, si li gen yon problème avec la justice, effectivement gen Roy Glass qui gen problème avec la justice, mais son question qui très sensible, son question qui m'a dit en pile considération. Diplomatique, qui m'a des considérations juridiques, légales et autres qui parlent dans le domaine, donc nous quittons pour M. Sarr. Mais en attendant, le conflit diplomatique là est là depuis 5 avril, l'été qui est descendu de la police dans l'ambassade Mexique, dans Quito, c'était pour prendre ancien président équatorien Jorge Glass, qui n'a pas qu'à être proche contre lui, M. Tafé Magoul, M. Tapran Cob, M. Tafé même prend Cob pour financer la campagne ancien. Et président et Coréa. Et donc, c'est une question qui à l'ordre du jour dans l'actualité. C'est comme ça que Mexique hier, il était saisi Cour international justice là dans les Nations Unies pour tes questions. Hein. Donc, Mexique pour tes questions juste dans les Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a une organisation hémisphérique, on a parlé d'organisation État américain. C'est comme ça tout, et si nous avons une mise à jour sur situation, spécialement sur situation ancien président, c'est que l'été transféré l'hôpital, parce qu'il était transféré l'hôpital, sauté en prison. Pour aller à l'hôpital, il était gagné un malaise, et sans avoir une précision sur lui. Donc, malaise a fait qu'il était maintenant dans l'hôpital, et après l'hôpital là, qu'on y a retourné dans la prison, il y a l'autre fois encore, il y a plusieurs personnalités qui opinent sur question ça. Question ça nous dit qu'il y a l'ordre du jour dans l'actualité, hein? Actualité internationale, surtout actualité Amérique latine. Eh bien, il y a plusieurs personnalités qui ont même prennent position sur la question. Par exemple, il y a Jack Sullivan, qui est conseiller sécurité nationale ou de sécurité auprès de la Maison Blanche, qui lui-même dit que Washington condamné des centres de liens qui fait dans l'ambassade Mexique, dans Quito, pour lui, pour Washington, son violation convention de Vienne sur relations diplomatiques. C'est position Washington, bonheur Washington de proposition, et Jack Sullivan reprend encore position les États-Unis par rapport à des centres de liens que la police a fait dans l'ambassade Mexique, dans Quito. Il dit que c'est pour Washington, pour la Maison Blanche, c'est une violation et convention de Vienne qui régit la relation diplomatique entre États. Et puis, gagnez tout, président mexicain, Andrés López Obrador, lui-même qui réagit tout par rapport à la situation ça. Il dit que, premièrement, que position ni Canada ni Washington, c'est des positions qui ambiguës et vagues. Il dit que tu pensais que, comme si Washington t'a donné plus direct, plus tranchant. Et nous entendons Jack Sullivan lui-même qui dit que Washington condamné et descend de l'IA parce qu'il croit que son violation des conventions deviennent des relations diplomatiques entre États. Cependant, Andrés López Obrador, lui-même qui portait plainte contre Équateur dans grandes instances, notamment les Nations Unies et OEA, il dit que position Canada avec position les États-Unis, deux voisins, c'est des positions qui vagues et qui ambiguës. L'autre monde qui réagit encore, c'est l'ancien président équatorien Rafael Correa. Vous connaissez qui parle dans le pays, mais lui-même lui demandait à l'Union européenne, à toute communauté internationale, pour faire pression sous gouvernement Quito, donc. Gouvernement équatorien pour l'accorder sa relais au passage sur à monsieur Glass pour lui son kidnapping que fait et sous monsieur Jorge Glass, ancien vice-président. Et n'a pas rappelé tout que
Koya, nous avons des gens associés avec Oregas, ça semble que M. Ta et a fait compte Maltaé dans la campagne électorale ancien et président. L'autre monde qui parlait encore et qui réagit, pas des moindres, c'est Jorge Glass Diaz, qui est petit garçon pour et ancien et vice-président qui est en prison en parlant de Jorge Glass. Monsieur le Jorge Glass Diaz, monsieur dit que il dit ça fait pas normal. Et papa est en prison, papa est dans l'ambassade là, et puis on prend papa. Et quand il est en prison, à deux fois, il essaye, si on a quitté le papa là, avec tout avocat, papa, il n'a pas quitté le il dit il croit que son violation doit parler pour lui-même en tant que petit, pour le papa, même si papa est en prison. Donc c'est comme ça. Donc c'est une situation que Cap développé. Je pense que le pourquoi fini, parce que dans le moment où on a parlé là, il y a une session, ça a fait une session spéciale. Qu'a fait dans le siège organisation État américain, on a parlé de OEA sous question, et c'est sûr que pour gagner position tout État membre, notamment Équateur qui est principal concerné, le Mexique tout a fait même apparemment, pendant que Canada avec États-Unis, ils ont même tout qui déjà prend position. Donc, tout l'autre membre et tout l'autre, plus que 30 et membres et organisations régionales là, ou bien hémisphériques là, a bien pour faire le tour sur la question, n'a bien pour nous retourner avec pour. Et puis, nous avons une actualité à mener nous ici aux États-Unis, que côté président Joe Biden, dans le moment où on a parlé là, il y a un guest, il y a un visiteur. Visiteur, c'est le premier ministre japonais qui c'est Fumio Kishida. Il a déjà chita parlé déjà, mais il a dit que la maison de chacun connaît que c'est une rencontre qui est très importante. D'ailleurs, il y a un dîner d'État. Dans l'occasion passage là, dans le passage M. Fumio Kishida, il a parlé de plusieurs questions, il a parlé de technologie, il a parlé de défense, il a parlé de stratégie, il a parlé sans doute de commerce, donc on parle de gros questions qu'il a bien pour aborder pendant le passage et M. Fumio Kishida. Et puis, l'autre point que nous sommes capables d'agiter encore, qui a un rapport avec actualité internationale, là, c'est question Moyen-Orient, guerre Israël-Hamas. Nous connaissons après que le président Joe Biden a parlé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et bien, il y a un retrait que Israël a fait, l'armée Israël a fait dans Gaza. Mais le retrait, ça, pour l'autre spécialiste, c'est un retrait stratégique, côté que vous faites retrait, mais pour y attaquer, pour y faire une autre et attaque. Donc, président Joe Biden lui-même, il a fait une interview qu'il a fait avec Univision, que a diffusé mardi soir, et pour dire qu'il n'est pas d'accord avec Jean Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, à mener le combat. Premièrement, lui-même, il compte ni lui-même, ni président Joe Biden. À tout Washington, là, il dit président Joe Biden, nous voulons dire Washington tout, avec Nations Unies, il a dit que il compte que pour descendre de yon gros opération de Rafah. Et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit que yon yon très près du but, yon tout prêt pour yon accomplir ça ou vle accomplir. Et ça ou vle accomplir, c'est que pour yon déraciner, déchouquer sur la surface de la terre, question groupe terroriste qui est Hamas. Et yon dit que c'est le dernier côté yon rete pour yon capable de finir avec question ça. Nous te connais que dans le dialogue que président Joe Biden te gagne avec Benjamin Netanyahu, il te fait des exigences, notamment, il te demande de cesser le feu rapido presto, il te demande de plus pour être capable et plus et quitter et bien, assistance à joindre et moun Gaza. Yo. Et il te demande tout pour pas gagner une opération qui fait dans Rafah. Et il dit que dans l'interview ça, te gagne avec Univision, le président Joe Biden dit que lui-même, il croit ça en erreur. Si Israël décide de faire ça. Pendant ce temps, il y a une proposition, tout, une proposition de cesser le feu de 6 semaines, et c'est des bagages qui ont déroulé dans le Caire, en Égypte, et côté que il fait Hamas des propositions. Et dans la proposition, ça y a une question pour Hamas tout pour ta libérer otages qui n'en meurent, parce qu'il y a plus que 200 otages qui n'en meurent. Donc, il t'apprend le fait en boucantage, et éventuellement en quarantaine, et puis. Et Israël même t'a libéré plusieurs centaines de prisonniers. Donc, dans le moment où on a parlé là, c'est ça Washington demandait. Il demandait que pour Hamas accepter
proposition de cessez le feu a un cessez le feu de 6 semaines pour être capable qui côté au capable et arriver dans question ça faut dire que interview ça que président Joe Biden te by Univision là il te fait et immédiatement après que 7 membres personnel groupe humanitaire World Central Kitchen qui travaille avec moun qui grand goût dans Gaza et c'est un bagage qui était provoqué indignation colère Washington après que attaque l'armée israélienne t'a tué 7 moun ça t'a travaillé dans groupe humanitaire ça que le World Central Kitchen qui a travaillé dans Gaza avec moun qui grand goût. Donc situation qui j'en ai connu là c'est tractation qu'a fait pour être capable de joindre yon cessez le feu dans Gaza mais pendant ce temps gagné que c'est monsieur Gallant qui c'est ministre défense là que c'est monsieur Netanyahu qui c'est ministre pour les ministres israéliens yo même ça a fait yo dit a préparé et au capable même moi image côté qui a préparé yon offensive dans Rafah côté gagne 1 million combien monde cap vivre et pas oublier que grand pile monde qui était à cause de guerre qui était changé qui est à Rafah et c'est ça qui vient dans attaque l'armée israélienne. Grand pile fois gen moun yo qui a réfugié en côté et puis l'autre côté c'est là que l'armée israélienne fait attaque. Donc quand y a meon dans Rafah et l'armée israélienne dit que il a préparé yon attaque dans Rafah. Et faut dire que d'après dernier bilan, il y a plus passé 30 000 monde qui t'a mouru. Et ça a la guerre. Avec là un problème. Eh bien, n'a pas avancé. Et puis, bonne question qu'a fait actualité. Nous connaissons que ça qu'a fait actualité et ici aux États-Unis. Tout 2024, là, son année électorale. Avec là, c'est. Yeah, un support technique et Jean-Marc Hervé. Avec là, avait dit si son est mal, connaissez avec là. Si son est bien, connaissez les tout. Et si vous avez des informations, connaissez moins. Donc, on allait. Donc, ici aux États-Unis 2024, là, c'est une année électorale. Et tant qu'on a dit, le spécialiste dit comme ça que, quel que soit ça qui passait, au point de vue, chaque par exemple, Donald Trump fait, chaque ça que et Joe Biden fait, son bagage qui gagne un aspect électoral là-dedans parce que son année électorale donc moun pa vle fait erreur par exemple gen Biden Joe Biden dénoncé interdiction il son interdiction cruelle que avortement dans Arizona yenn tap expliquer question avortement ici aux États-Unis gagné parti démocrate là lui-même li pro choice parti démocrate a dit que ou même leur ou enceinte ou gen choix pour faire sauver la avec par exemple l'un dit choix pour faire sauver la avec là notamment si par exemple c'est yon gang yon malfecteur qui viole moun qui et moun nan vin ansèt moun nan gen droit d'accord il gen droit d'accord lui-même pour les retirer ti moun nan c'est ça relé lui-même pro choice avait dit li en faveur que moun nan prend fait un choix et puis tandis que parti républicain dans son essence lui-même li pro life li en faveur la vie quel que soit gens ou ansèt là li yo ta meté en interdiction pour ou même pour retirer Timouna, pour faire dilatation. Et Fred Kaimi dit, bon mot dans le pays d'Haïti, c'est pour jeter petit. Donc, ça veut dire que les républicains ont contre ça. Et nous voyons que, gagné ancien président républicain, Donald Trump, lui-même lui pose une position qui est inhabituelle, parce que ce n'est pas position républicaine ou ça. Il dit que lui pas quoi que il doit prendre interdiction au niveau fédéral. Ou dans tout pays, il doit quitter. Tout état yo prend position par rapport à question et avortement. Donc, il y a un tribunal dans Arizona lui-même qui jugeait valide pour interdiction quasi totale avortement dans l'état. Donc, c'est une décision que Joe Biden lui-même lui et rejeté. Pendant ce temps, il y a tout et président Joe Biden qui dit que rival lia Donald Trump c'est un danger pour la démocratie américaine. Il dit que des bagages que yon candidat dit, c'est des bagages qui dangereux pour la démocratie et américaine. Et ça va gagner longtemps là. Président Joe Biden même dit que, dans une interview que ancien président Donald Trump te bat, il dit que li pa un dictateur, la un dictateur seulement pendant yon jour. Et dans jour ça, il dit qu'on déportation massive qu'a fait
des monde qui dans programme Biden, des monde qui dans ceci dans cela, mais il dit que et alors que Joe Biden dit c'est pas croyable que yon leader américain capable dit yon causé comme ça. Donc c'est pour dire que même si pour qu'on gagne une note officielle qui dit que c'est deux monsieur ça qui pral dans final là 5 novembre de année ça, mais tout porte à croire comme si toutes les données ont montré que nous pral gagner ça nous relé yon remake, yon rematch, yon l'autre face à face encore entre Joe Biden démocrate et Donald Trump républicain. En allant pays d'Haïti, c'est toujours yon suspense sous installation conseil présidentiel de transition. Yete, d'après information qui sortit dans la presse, te gagné yon rencontre dans conseil des ministres là, parce que conseil des ministres là lui-même li recevoir document, il recevoir un document conseil là sous accord politique et sous projet de décret qui parler de création et de fonctionnement conseil présidentiel transition. Document sa yo pour yo publier dans le journal Le Moniteur. Cependant, yo dit que gen les bagarre la pas bien passé et selon information qui paraît dans la presse et que monsieur estimé conseil des ministres là estimé que conseil présidentiel de transition lui-même il a trop pouvoir parce que il y a des questions qui normalement dépendent de la constitution du pays, non pas quelque autre cause. Donc c'est pour dire tout ça que, il y a pas de temps. T'es gagné un webinaire tout que Karine Jambier, qui est membre et communication, il était un webinaire qu'il a fait, mais nous avons pour nous parler de lui parce que la donne de Nichols qui parlait tout sous installation parce que les États-Unis, t'as semblé qu'il a opté en pile pour finalement que le conseil a installé pour être capable aller de l'avant. Et nous connaissons que le Premier ministre Ariel Henry, dans la date 11 mars, lui-même il a annoncé que l'a démissionné d'ici l'heure que gagne le conseil présidentiel là installé. Donc jusqu'à présent, pour Ariel Henry, toujours Premier ministre, il y a un Premier ministre AI qui c'est Patrick Michel Boisvert qui en bas, qui en Haïti, et que c'est ça qui a fait de Konya. Donc c'est suspense là qui a continué sous question conseil et transition, conseil présidentiel de transition. Et puis hier, tu as une opération à la police, tout, à la police APC, qui est capable de couper gang. Mais pendant ce temps, tout, on dit tout, qu'il y a un mouvement qui de plus en plus a fait chemin. C'est un mouvement pour y aller dans la cour de cassation pour chercher un président pour qu'il dirige la transition. Moun qui est derrière mouvement, ça, notamment un congrès, où on a été recevoir Dr. Fritz Bistret dernièrement. Le congrès, on a mettre, là, dit que dans l'histoire du pays, là, on fait histoire pays. Que conseil de transition pas bail résultat vrai. Et yo allé yo bay exemple Erta Pascal Drouyo qui t'a fait une élection qui était d'après yo potable et acceptable et yo dit que l'histoire t'a en faveur. Donc il y a une pétition même qui a fait une pétition qui a fait pour ta ouais dans quelle mesure que yo t'a capable joindre assez de signatures pour t'a capable aller dans et cour de cassation pour y a choisi yon juge, mais yon dit yon l'autre bagay des juges là, yon dit yon juge qui régulièrement nommé. Et discussion encore légale, c'est une cacophonie. Discussion tout, qui jan yon juge régulièrement nommé. Yon dit que si c'est Ariel Henry qui te nomme, il pas régulier parce que c'est président qui gagne ses prérogatives président. Donc c'est pour montrer que situation politique là dans le pays d'Haïti, li ont des gens compliqués. Il y a une démolition qui fait et il y a plusieurs cas qui démolit dans la zone aéroport. Côté décision, ça sortit, c'est la police qui t'a déjà dit que la prend décision après que, eh bien, les compagnies aériennes, nous connaissons les compagnies aériennes, ils ont même gagné assurance. Même gens qui ont caille, ou ont machine, ou ont assurance. Mais assurance a toujours porté des conditions pour l'assurer machine, pour l'assurer caille. Et ils ont remarqué que caille qui est aux alentours, surtout dans la partie nord, qui aux alentours aéroport, li pa on source de sécurité pour avion. C'est comme ça assurance, compagnie d'assurance yo a fait pression sur li aérien pour dire que yo pa ka assurer si c'est dans condition ça. Et ça qui arrive ce qu'on a c'est que qu'on a la police obligée prendre mesure pour yo même pour capable prendre mesure appropriée pour capable répondre aux exigences compagnie aérien yo qui au même tout a subi pression dans main et assurance yo. Donc, il y a une démolition qui commence à faire, mais ça qui arrive tout, c'est que il y a un propriétaire de maison qui dit que, eh bien, il y a marqué à démolir, mais il n'y a pas de cobre. Il y a qui dit qu'il démolit, il n'y a pas de cobre. Bon, ça fait partie aussi de la bureaucratie haïtienne.
dans le moment que l'administration publique là pas vraiment fonctionner à plein rendement, donc nous ouais qui genre situation capable était très compliqué dans le pays d'Haïti. Donc autant de points dans le pays d'Haïti qui a fait en pire sensation, qui a créé en pire sensation avec tout problème ça yo qui gagne dans le pays d'Haïti, qui a fait face à problème grand goût, problème économie, problème santé, gagne par exemple l'hôpital général pas fonctionné, puis grand centre hospitalier pays a pas fonctionné, le stade national, eh ben, et monsieur Gangyo prend, et jusqu'à présent tout monsieur Gangyo tout yo même yo dit yo voulait prendre pouvoir tout. Donc en pile source de conflit, Gangyo qui gagne force visible. Et Nations Unies était parlé de 80%, mais qu'on y a parlé de 90% de occupation gangue dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Donc, il y a même tout, il y a une force de frappe. On est qui a double nationalité, qui vient premier ministre. Parce que c'est barème qui a mis, c'est balise qui a mis. Blessé personne, c'est mal répondu. Ça fait que vous avez pays. Oui, tout le temps, ici, qui a mis double nationalité, c'est pas eux-mêmes qui ont choisi. Il y a compris ça, ma vie. Oui. C'est espace que les États-Unis, le Canada, la France qui étaient là, ou qu'on saisit ouais un bon matin là, ouais gouvernement qui gagne pas une pièce haïtienne là-dedans, non? Pas une pièce. Bon, regardez, qu'on y a, si nèg là, lycéen américain, lui entend ni, lui vini, le premier ministre du pays d'Haïti, eh bien, la France a pris nos bagages. La France vini, lui prend le ministère intérieur, la collectivité territoriale. Le Canada lui-même lui mando la police ministre lui pas besoin de la police, la ministre justice la sécurité publique, tu entends mieux sur ça, yo cadre au plein contrôle pays net, c'est ça il a planifié là. Il y a un gros complot qui a planifié, malheureusement acteur cap monter qui est intelligent cap sauver pour yo cap chercher des 3000 gouttes yo livre pays à blessé personne, situation pays d'Haïti lui annoncé noir, lui annoncer un pile problème, ça qui vient pour passer en dedans pays là. Faut au moins bon bagage qui est fait. Malgré ouais virer tourner cap essayer d'autre fait. Nèg yo continuer à faire richesse pendant peuple là dans crasse, gouvernement démissionnaire a débloqué gros magou l'argent pour régler affaire par. Yo estimé avant yo aller faut que yo paye, faut que yo font 40 millions, faut que yo chaque yo font 30 ou 50 millions. Pas dans professeur pas qu'à toucher Blaise Peterson, la police pas qu'à toucher Blaise Peterson. Moi-même, m'a essayé de garder avec vous des Yvenes. Go pas que baga ou dit qui vraiment attire attention. OK? Et en sérieux, on garde nos bagailles. À époque, on dit vraiment pour que ce conseil présidentiel avec 9 membres ça. Et m'a dit jusqu'à présent, si peuple haïtien campé, si peuple haïtien décide définitivement pour dire que li pa nan conseil présidentiel ça pa gien un cap ka installé l'eau pa gien qui pral permettre que li installé ou bien prend investi ti nan pays non ça n'est clair et li pa ka installé en même temps tout question gouvernement démissionnaire ça qui continue pendant plus que un mois que déjà gagné. Il y a démissionnaire. Il y a liquidé ça les affaires courantes de l'État. Et mais si peuple haïtien li décidé, si peuple haïtien li fâché, si peuple haïtien li dit que et mais condition ça yo ensemble de moun ça yo que yo pas reconnaître yo et mais qui est sur besoin. Et maintenant qui est-ce que yo yé pas gen rien cap ka empêcher même l'autre les États-Unis, même l'autre le Canada, même l'autre la France, même l'autre l'ONU, ou mettre les OEA, ou mettre les corps groupe, ou mettre les BINU, quel que soit jonté capable reler tête ou. Ou des peuple haïtien dit pas vle tel bagage et mais ça vle yan, y a obligé accepter ça peuple haïtien vle yan. Y a obligé accepter ça peuple haïtien mandéen. Y a obligé accepter ça que peuple haïtien dit que le besoin dans le pays. OK. Mais comme nous sommes peuple cap dormi,
comme nous est son peuple cap tande c'est blanc l'a tande parce que yo fait quoi c'est blanc 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 cap me fait tel bagaille pour lui et pourtant li blanc déjà blanc qui l'a tande blanc ça qui problème par la cali déjà blanc ça que l'a tande c'est même blanc ça mette dans salier là ça veut dire blanc ça va gain intérêt pour retirer la donne m'pa valoriser ce moun nou rele blanc ou non m'pa faire promotion pour moun nou rele blanc là qui ça moun qui ça les nou rele blanc qui ça blanc et moun même j'avais nou rele lundi à les États-Unis le Canada la France c'est deux pays même j'avais Haïti yo sauf que lundi pays ça veut dire physiquement espace physique là c'est des espaces qui séparés qui gien de l'eau qui gien rivière qui gien ensemble de bagaille kounya là sou pour aller en termes de population en termes de infrastructure en termes d'investissement oui gon grande différence mais même gens oui moun nou les canadien l'état si l'état sa yo mais nous gen l'état ici la kay nous mais comme en Haïti moun nou les l'état haïtien yo ceux qui bonne volo OK ceux qui bonne volo ceux qui bonne assassin ceux qui bonne a tout fait qui yo même yo c'est yo à la fois yo c'est agent double yo c'est agent double. Ça veut dire, yo ki de yo qui c'est haïtien, mais ande yo c'est canadien, ande yo c'est français, ande yo c'est américain. Ça veut dire, yo ki plus intérêt que ande yo que de yo. Yo ki plus intérêt que, et permettre que étranger sa yo vin continue krasé pays. Au lieu que, yo d'accord yo entend yo pour mettre Haïti sous le programme de développement. Et je dis le que chaque haïtien comprenne sa gagne. Lè que Désir dit depuis 6-7 février pouvoir dans la rue Ariel connaît le tombé depuis 6-7 février Ariel connaît que li pas premier ministre encore dans pays et si Jean que des séries de groupes dans pays deux groupes qui t'a manifesté dans la rue deux groupes qui t'est mobilisé pour yon te dit que 7 février par deux prend Ariel Henry dans tes pays. Si yon te kebe, même mobilisation ça. Si yon te kebe, même flambeau ça, ou met te kwem souvle, c'est ta voix peuple qui t'a passé. C'est ta décision peuple qui t'a passé. Ça nous clair sous lui. Et ou met te kwem souvle. Jean Désir dit là. Ok? Te met te genyen. 5 millions moun te pren la ri. 2 millions moun te pren la ri. 3 millions moun te pren la ri. Ariel t'a pas obligé bay vague. Et la police pa t'ap ka tire sur tout moun sa yo. L'armée pa t'ap ka tire sur tout moun sa yo. Et même nek armée pa t'ap ka tire sur tout moun sa yo. Et lè sa, peuple nan t'ap décidé et il t'a pral di, mais qui est-ce que va mettre dans tes pays? Mais qui est-ce que va mettre dans palais national? Et puis c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais nous avons un peuple qui est tellement passif, nous avons un peuple qui est tellement abtonne, qui tellement dit que c'est blanc l'abtonne, pour blanc faire si pour lui, pour blanc faire ça pour lui, alors que vous oubliez que c'est vous-même qui vous prenez destin en main. Et nous avons d'accord avec vous, l'autre dit que Guité qui pouvoir dans main. Guité qui pouvoir dans main. Nan niveau mobilisation, peuple, t'es campé derrière Guy. T'es campé avec Guy. Bessap, t'es campé. Pour voir t'es que nan men Guy. Bon, par contre, c'est ce qui vient de passer. Mais pour voir t'es nan men Guy. Pour voir t'es nan men peuple haïtien. Parce que la grande majorité, t'es dit que yon besoin Guy Philippe. Et par nous, t'as dit, nous te content d'elle sur réseau. Et nous te content d'elle. Pour moi, agent Bessapio, t'es sous off. Si, agent Bessapio, pas parler même pour te venger et c'est te faire justice frère Damio yo te sous off yo va accompagner Guy Philippe te prendre pouvoir tout bon vrai à moins que kounya ta monter yo ta faire le contraire ou pas dire que plus que 20 000 hommes ou bien 30 000 hommes qui gen zam nan men yo qui prend des formations même que c'est pas à haut niveau pour gen 7 frères qui mouri assassiné et puis replier tout rentré dans base pas rien qui fait dans cette personne. Et puis, pour ta mettre espoir sur l'exemple, vous pensez qu'il y a un bon pouvoir. Eh bien, c'est là, mon cher. C'est des grimaces, mon cher. Les personnes. Moi-même, je dis que je dis, hein, les que nous gardons ça, yo, nous m'avons senti que, est-ce que mobilisation, est-ce que motivation, qui était vraiment kembe la camille chez Bessapio,
ça fait et mobilisation ça casé, ça fait motivation ça cassé écrasé. Je veux dire nous sérieux. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Rele chien en chien. Rele la chatte.